Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle journée aujourd'hui, mardi. Écoute, il fait frette. Il fait frette aujourd'hui. Moi, je me suis levé, il y avait un petit tapis blanc partout dehors, là. Écoute, c'était beau, mais c'était dépressionnant aussi, là. Donc, écoute, ça s'en vient, l'hiver s'en vient, on est en plein dedans, là. Écoute, il fait. Ben, toi donc, jeudi, vendredi, il annonce 15 degrés. Fait que ça va faire un changement, un clash de température, là. On va profiter de ce petit moment de répit, de soleil, de chaleur là, pour finaliser là, ce qu'on a à faire dans toute la maison. Je te conseille, c'est le temps, là, parce qu'il n'y reste plus grand journée comme ça, c'est certain, avant que vraiment le gel pogne, hein, ça c'est sûr. Mais écoute, là, il nous reste, là, on est mardi, donc il nous reste jusqu'à demain soir là, pour profiter des rabais qui finissent là, demain soir, avant le prochain circulaire de la semaine prochaine de Papa Popote, là. Donc, tu sais, c'est le temps de voir, là, parce que là, j'ai pu comparer, moi, les rabais de la semaine prochaine avec ceux de cette semaine, voir, là, lesquels qui ne reviendront pas, OK? C'est ça l'idée des 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine du 5 au 11 novembre. Ça va tout de suite. Donc, écoute, j'en ai sélectionné une dizaine, là, c'est certain, ils ne sont pas en ordre, là, c'est juste une dizaine de rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine. Là, fait que si vraiment tu veux avoir ces aliments-là, bien, ça vaudrait peut-être la peine d'aller les chercher avant demain, 22h, pour en profiter puis faire des belles économies, ça c'est sûr. Mais avant toute chose, c'est sûr, je t'invite hein, à t'abonner à la circulaire de Papa Popote. C'est le minimum, parce que là, avec ça, au moins, tu es sûr que le mercredi avant 18h, tu reçois ça dans ton courriel. Puis là, j'ai identifié pour toi dans cette circulaire-là les vrais meilleurs rabais dans les épiciers qu'on n'a pas le choix d'aller comme IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. Donc, écoute, n'hésite pas parce que c'était vraiment une aide fantastique. Surtout que ça va te faire économiser énormément d'argent pour le peu que ça peut coûter une pièce là, pour avoir l'information pointue. C'était au Québec, puis c'est toi qui fais les commissions. Je te le conseille fortement là, de t'abonner à la circulaire de Papa Popote, sans compter qu'en plus, en bonus, ben, tu m'encourages. Puis ça, ben, c'est pas rien quand même. Hein? Fait qu'hésite pas à t'abonner, s'il vous plaît, ça serait super. Donc, commençons tout de suite avec le numéro 1. Écoute, les pâtés plaisir gastronomiques sont super bons. Les vraiment sont délicieux, sont bien faits. C'est la belle qualité. Honnêtement, tout ce que plaisir gastronomique font, là, en tout cas, ce que j'ai goûté, j'ai pas tout goûté, là, c'est sûr. Mais quand même, les choses préparées là, sont vraiment de qualité. Qualité-prix, là, super. Puis là, il est en spécial à 4,77 pour des vrais beaux pâtés. Si tu as une chance de goûter au pâté au saumon, délicieux, tu vois, c'est super bon. Surprenant. Le numéro 2, écoute, des crevettes non cuites. Là, 680 grammes, un beau gros sac. C'est des 26,30 pour 10 piastres, 9,99. Donc ça, là, elle n'a pas manqué parce qu'il n'y aura pas ça la semaine prochaine de ces crevettes-là. Ça, c'est certain. Le numéro 3, écoute, les crevettes crues ou cuites, des 36,45. C'est des petites crevettes, un paquet de 300 grammes pour 5 piastres, 4,98. Ça, c'est un passe-partout, là, mais c'est une salade. Hein, si tu veux les manger froides, tu les achètes déjà cuites. Il te reste 5% de l'eau, les laisser décongeler comme ça. Puis après ça, t'en servir, tu nettoies, tu les essores comme il faut. Alors, tu manges ça, c'est fantastique. Puis si tu as l'intention de les faire cuire, bien, tu les achètes non cuites. Hein? Parce que si tu fais cuire, quand c'est déjà cuit, tu les remets dans une sauce chaude, bien, ils ont tendance à venir raides, ils sont déjà cuits. S'ils sont crus, puis tu mets dans la sauce crue comme ça, bien, ils vont cuire en 2-3 minutes, puis là, ils vont être parfaits, ils vont être tendres. C'est ça qu'il faut faire. Tu sais, là. C'est le numéro 3. Le numéro 3 plutôt, écoute, 4, je suis rendu, ça va vite, là. Les ailes de poulet, la cage. Écoute, ça, là, c'est une petite cochonnerie, bien sûr, super salée, mais dans la bouche, c'est-tu bon, hein? 6,98 la boîte. Écoute, ça vaut le double, là. C'est sûr que c'est cher, les ailes de poulet, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est sûr que quand ils sortent des spéciales, bien, je t'en parle, là. C'est sûr. Mais c'est pas quelque chose à manger régulièrement. Je te le conseille pas, OK? Mais faut de temps en temps. Il faut bien se gâter, surtout dans cet instant, se faire plaisir. Là. On cherche tous les petits bonheurs. Ça, c'est clair. Le numéro 5, écoute, la margarine. La margarine Bécelle. Moi, c'est celle que j'aime bien parce que la Bécelle, contrairement aux autres margarines, ben, il y en a d'autres, là, Fleischmann, il y en a des tellement bonnes, là, c'est sûr, des margarines. Mais ce qui est important, peu importe la marque, c'est la non-hydrogénée. Toi, tu veux la non-hydrogénée. Parce que c'est ça pour les maladies du cœur, pour le cœur, pour la santé.
Quand c'est hydrogéné, là, c'est vraiment un mauvais gras, tandis que quand c'est non hydrogéné, c'est bien meilleur pour la santé, ça ne se comporte pas. Fait que c'est pour ça qu'ils sont toujours plus chers un petit peu, là, les non hydrogénés, mais quand même, à 3,68 pour 2 livres de margarine, ça coûte, c'est vraiment là, très bon prix. Moi, normalement, à 3,99, là, c'est le prix, puis ça vaut 6-7 piastres, là, un paquet comme ça. Donc là, à 3,64, là, c'est le temps d'en profiter. Puis il y en a à l'huile d'olive ou j'ai goûté à celle là, à l'avocat. Hein? C'est à l'huile d'avocat, là. Le légume, le fruit. Là. Donc, écoute, ben, il est vraiment bon. Il goûte la beurre. Vraiment, il est meilleur. Il est un petit peu moins. Je pense qu'au lieu de 907 grammes, là, il y a 850 grammes. Mais vraiment, là, il est délicieux. Tu goûtes à ça. Tu en achètes deux, trois là, pour y goûter, là, pour voir lesquels que tu préférerais. Mais elles sont toutes bonnes, c'est sûr. Le numéro 6, écoute, du bœuf haché maigre. OK, là, vraiment, super spécial cette semaine. Il y en a, semaine prochaine, du mi-maigre, de la steak hachée, mais si tu veux du maigre à 2,88 la livre, ben écoute, ou 6,35 le kilo, là, c'est cette semaine qui est le meilleur prix pour le bœuf haché maigre. Le numéro 7, écoute, le filet eyeliner. Ça, c'est des petites boîtes qui vaut à peu près 15-16$. Là, sont à 7,88 toi. Et puis moi, j'aime bien, là, tu as le filet de ça. Au citron et poivre, ou il y en a, tu sais, en plus, ils mettent une petite saveur, c'est super parce que là, tu sais, ils ont tous des beaux filets, oui. Vraiment de la qualité. Puis, tu sors ça, tu mets ça dans le four directement, tu as un riz préparé la fin de semaine, tu te prépares un petit riz. Moi, je me prépare un petit riz ou un orzo, tu sais, quelque chose là, qui me permet de pouvoir accompagner mes protéines dans la semaine que j'ai pas besoin de faire parce que, tu sais, il faut commencer à faire un riz. Ça peut être plus long que prendre simplement un morceau de poisson congelé, mettre ça sur une plaque à biscuits, puis là, du coup, on met ça dans le four, puis c'est fini. Hein? Si tu as le riz déjà fait, tu te fais juste te faire réchauffer dans le four micro-ondes, en accompagnement, tu te fais un petit brocoli à côté, là, dans les tuveuses, ça prend 10 minutes, puis tu as un souper, toi, en peu de temps, là, quelques minutes, puis tu as un super souper, là, du riz, du poisson, des légumes. C'est vraiment facile. Puis c'est pas cher. Moi, c'est sûr que ce eyeliner-là, vraiment, là, je te le conseille fortement. Il est vraiment délicieux. Là, moi, c'est le saumon que je préfère, mais je sais que dans les sites, il y en a qui aiment bien le filet de sole aussi, là. Fait que, check ça. Le numéro 8, écoute, le porc haché maigre. Le porc haché maigre à 1,88 la livre. Et la semaine prochaine, aussi en spécial, mais pas à cette hauteur-là de 1,88 la livre, ou si tu préfères 4,14 le kilo pour du porc haché maigre, faire des wontons, hein, ça, c'est super, des quenelles, des affaires comme ça. Super bon, où tu le mélanges avec... Tu pars un peu du bœuf, je veux dire, puis tu te fais une petite boulette avec ça. Hein? Tu peux faire un burger aussi avec ça. Écoute, ça fait différent, puis c'est délicieux, tu vois. Le numéro 9, écoute, le beefsteak de l'Ohio, le T-bone. Hein, ça, là, à 6,99 la livre, tu préfères 15,41 le kilo pour du filet, oui. C'est pas du filet, mais du T-bone. Tape, je fais beefsteak de l'Ohio. Ça, là, c'est super bon. Et finalement, le numéro 10, écoute, l'épaule pique-nique, l'épaule de porc pique-nique, ça, là, pour faire du porc effiloché. Hey, tu fais cuire ça comme dans le four. Moi, je le fais au sucre, là, avec à l'orange, et puis du cassonade, puis tout dans mon Instapot, là. T'as parlé, c'est bon, ta petite sauce sucrée, là, délicieux, débile, avec la sauce hoisin là-dedans, puis tout, écoute. Vraiment, là. Fait que tu peux le faire autant piquant que sucré. Puis après, tu peux te faire de l'effiloché. Puis là, l'effiloché, tu peux faire des sandwichs, tu peux faire des sous-marins, tu peux mélanger ça avec tes pâtes, ta sauce à la spaghette. Là, tu te mélanges un peu de porc effiloché là-dedans. Délicieux. Puis ça se garde dans le frigidaire. Un coup que c'est cuit, là, du porc, là, c'est la viande qui se garde le plus longtemps. Tu sais, si on va au poulet ou au bœuf ou quoi que ce soit, là, c'est sûr que le porc, là, tu peux garder ça longtemps, là, s'il est bien abrégé, c'est un papier d'aluminium, là. Écoute, il peut faire 10 jours facile dans le frigidaire sans aucun problème. Puis il est à 1,39 la livre ou si tu préfères 3,6 le kilo pour une protéine comme ça. Ça vaut la peine, vraiment. Fait, écoute, c'est ça qui est ça pour les 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine du 5 au 11 novembre. Mais je t'invite, c'est certain, à t'abonner à la circulaire de Papa Papa. Ça, c'est un must, là. Vraiment, n'hésite surtout pas pour le prix que ça coûte. Hein? Puis ça m'encourage. Puis en plus de ça, toi, ben, tu es certain de faire des belles économies puis de savoir où tu t'en vas sans avoir à scrutater tout le temps toutes les circulaires. C'est ça l'idée. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popotien. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.